Ça pourrait marcher. Nous pourrions ouvrir un portail qui nous mènera aux adeptes. Ou alors, il s'ouvrira sur un autre recoin plus sombre d'Oblivion. Enfin, on n'a rien sans rien. Allez, on essaie quelque chose de plus fou. On aurait dit que les adeptes ont utilisé leur amulette sur le piédestal, ce qui aurait ouvert un portail. Examinez le piédestal. Voyez s'il y a un endroit où poser l'amulette. Ces idiots de Dagonistes pensent avoir le dessus. Nous allons leur prouver le contraire. Eh bien, nous voici avec un portail. Il ne reste qu'à découvrir si c'était une bonne ou une mauvaise idée de le traverser. Je vous avais dit qu'on nous suivait, acolytes. Montrons-leur le vrai pouvoir de la flamme éveillée. C'est Vandacia, le grand prêtre de l'ordre. Je savais bien qu'il m'agaçait, celui-là. Nous arrivons trop tard. Le grand prêtre sait où se trouve l'ambition. Mais ils ont bien parlé d'une attaque contre le château de Leawin. Maintenant, je sais qui doit mourir pour cette grave insulte à la confrérie noire. Le conseiller Vandacia, grand prêtre de la flamme éveillée. Mais que vous inspire cette entrée de journal sur la première ambition et une attaque contre le château de Leawin? Ils ont ce qu'ils cherchaient, et maintenant ils mobilisent leurs forces pour tuer les autres conseillers. Lorsqu'ils seront morts, Vandacia sera le seul à connaître le secret des empereurs des Longères. Et Vandacia fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre la main sur ces documents. Vous savez à quoi vous en tenir maintenant. Vous devez rentrer au château de Leawin au plus vite. Je vais rester dans les environs pour éliminer quelques adeptes supplémentaires. J'ai encore envie de me défouler après cette attaque contre mon sanctuaire. Je vous suggère de rentrer au plus vite au château de Leawin. Je suis un assassin, pas un soldat. J'ai rempli mon rôle. Allez remplir le vôtre. Lorsque j'aurai fini, si Vandacia est encore en vie, on verra bien. Ce portail devrait vous ramener vers la sortie, ou vers un terrible plan d'Oblivion. C'est l'un ou l'autre.
Ouvrez ces portes. Nous devons rejoindre les conseillers. Elles sont verrouillées de l'autre côté. Mercenaires, vous voilà de retour. Evely tente d'entrer dans la caserne. Allez-y! Les adeptes de la flamme éveillée ont créé une diversion. Et comme des bleus, Evely et moi sommes tombés dans le panneau. Dès que nous avons quitté le château, ils ont envahi les lieux et se sont barricadés à l'intérieur. Je ne sais pas. Le temps que nous comprenions qu'il s'agissait d'une diversion, les adeptes s'étaient barricadés à l'intérieur. Si les adeptes blessent Lovidicus, Vandacia et les autres, je jure de leur faire payer. Quoi ? Vous êtes sûr de vous ? Vandacia sert le bois noir et l'Empire depuis plus de 50 ans. Assez, il faut entrer. Ensuite, nous pourrons découvrir toute la vérité. Allez trouver Evely près de la caserne et aidez-la. Du calme. Attendez. Maintenant, nous pouvons entrer. Allons. Ah, vous êtes là? Oh, ifre soit loué, vous êtes revenu. Le capitaine Riant et moi, ils nous ont bernés, attirés hors du château. Et maintenant, ils ont bouclé le bâtiment. Et je ne sais pas s'il reste des conseillers en vie. J'ai tout raté. Vandacia! Ce traître! Il nous a bernés, menti! Il a fait assassiner ses propres collègues. Et tout ça pour mettre la main sur quelques armes d'Edric! Mais l'Irante, la Dremora, elle m'a dit que le sort du monde était en jeu. Nous devons rejoindre les conseillers. Oui, la caserne est reliée au reste. Puisque j'ai éliminé leurs gardes, nous pouvons passer par là pour rejoindre les conseillers et les légats. Allons-y, mais restez vigilantes. Nous ne savons pas combien ils sont, ces glands fendus.